Rugbyrama, quel est le sentiment qui prédomine actuellement, 2 heures après le coup de sifflet final, Jessie Trémoulière, là maintenant c'est de la fierté. On est fier d'avoir réalisé le grand chelem. C'est quand même quelque chose de grand, quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours. Donc oui, forcément de la fierté. On est aussi heureuse de l'avoir fait avec ce groupe. Parce qu'on a un groupe qui vit bien, on est heureuse ensemble. Il y a aussi du soulagement, parce que ce n'était pas simple. On est tombé face à une valeureuse équipe du pays de Galles. Elles n'ont pas démérité, et elles nous ont posé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, ce match de ce soir, comme vous l'avez appréhendé après la victoire face à l'Angleterre, JT, c'était compliqué, on était vraiment euphorique après la victoire de la semaine dernière. Il a fallu revenir sur terre et travailler. On avait fait une bonne partie du travail contre l'Angleterre, mais il fallait finir le job face au pays de Galles. On savait que c'était une belle équipe, qui allait jouer crânement sa chance, et qu'elle allait nous poser des problèmes. France Féminine Icon Sport, on vous a senti sereine dans ce match, vous avez pris le score rapidement, vous l'avez maîtrisé de bout en bout. JT, oui, c'est sûr que de scorer rapidement nous a facilité la tâche, mais on a vu qu'on n'était pas à l'abri. Pendant 20 bonnes minutes en première période, elles nous ont mis sous pression. C'était difficile parce qu'on avait du mal à sortir de notre camp. C'était une bonne équipe galloise qui nous a quand même posé pas mal de problèmes. Il a fallu remettre les pendules à l'heure pendant la pause et rectifier certaines choses. Au final, on a pu dérouler en seconde mi-temps, mais c'était loin d'être un match facile sur le plan personnel. Vous êtes meilleure marqueuse et meilleure réalisatrice, c'est une satisfaction. JT, oui, c'est une grande satisfaction. L'année dernière a été très compliquée pour moi. Je suis heureuse d'être revenue à ce niveau et d'avoir pris part à ce grand chelem. C'est une satisfaction personnelle quand je sais où j'étais l'année dernière. Meilleure marqueuse, oui, mais c'est surtout l'accomplissement d'un collectif. Sans le collectif, je n'aurais jamais pu marquer autant d'essais, j'étais juste à la conclusion. Mais le plus important, c'est le grand chelem. C'est quelque chose d'incroyable, propos recueillis par Clément.